Mukomere cyane bene data bakunzi bacu tubahaye ikaze kuri Mutuyimana Leonela TV muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi kumwe na bene data bagiye kutuganiriza ijambo ry'Imana, rero muri uyu mwanya mube maso mutega amatwi neza ijambo ry'Imana. Reka babanze badusuhuze banatwibwire ikaze musuhuze abakunzi bacu kugira ngo tuganire tuziranye. Yesu ashimwe. Nitwa Luc Karekezi, ndakijwe ku Imana, ndi umuvugabutumwa bwiza uyu munsi, ndi umusemuzi wa mwene Data. Yesu awumugishe. Amen. Haleluya, haleluya. Nitwa Peter Ruyamba, ndakijwe kandi ndabakunda cyane, ndi umuvugabutumwa. Imana ishimwe. Amen. Reka rukare badusengere Imana, hanyuma dukomeze n'ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye imbabazi n'ubuntu bwawe. Turagushimiye cyane ko wabanye natwe uyu munsi, ukaba utegereje muri aka kanya ko kuganira ijambo ryawe Data. Icyubahiro n'ikibi cyawe iteka ryose, sabye umugisha umugaragu wawe Data ugiye kuba agaburira abera ijambo ryawe. Muhe umugisha bana nawe, umugirire neza bana nanjye, bana n'umuja wawe, bana na buri wese numva ijambo ryawe. Reka buri wese Mana abashe kumva icyo umubwira Mana. Ndagusabye kugira ngo ubane natwe, tugusabye umugisha rwose, duhagarare hagati, ubwiza bwawe tubeho. Urakoze Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Nous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie d'être parmi vous. Aussi, nous remercions Dieu de nous accepter aujourd'hui. Dans cette télévision Mutuyimana Leonel, c'est une dame courageuse et qui veut l'évangile, la progression de l'évangile. Et en même temps, c'est une choriste, une artiste. Kandi numuririmbyi n'umuhanzi. J'aime beaucoup ces chansons. Nkunda cyane indirimbo ziwe. Ces chansons me touchent beaucoup. Indirimbo ziwe zirankoraho cyane. Je suis béni, béni lorsque j'écoute ces chansons. Mpabwe umugisha cyane iyo nzumvise. Que Dieu te bénisse. Imana iguhe umugisha. Et que Dieu puisse encore te relever. Kandi Imana yongere iguhagurutse. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dans tous les coins du monde, ahantu mu isi yose, nous vous saluons. Turabasuhuje. Et écoutez bien la parole de Dieu. Rero mwumve neza ijambo ry'Imana. Même dans peu de minutes, n'iminota mikeya, si tu écoutes, niwumva, tu seras béni. Urahabwa umugisha. Il ne faut pas négliger. Ntabwo ukwiye kubisuzugura. Il y a beaucoup de gens, hari abantu benshi, lorsqu'ils sont à YouTube, iyo bari kuri YouTube, et ils ne sont pas curieux d'écouter le message. Ils sont en train de supprimer seulement, ils passent. Mais aujourd'hui, je t'invite. Même 10 minutes, tu seras béni. Il faut avoir la soif d'écouter la parole. Parce qu'il y aura le temps, vous n'allez plus écouter les évangélistes. Vous ne verrez plus les prophètes. Alors, si nous avons aussi ce courage, Dieu nous fortifie. Ayez aussi le temps d'écouter la parole. On m'appelle Peter Ruyamba. Je suis sauvé. Je suis évangéliste. Hallelujah. Hallelujah. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer dans Agai. On va lire les versets 6 seulement de chapitre 1. Agai chapitre 1 verset 6. Agai chapitre 1 verset 6. Hallelujah. Hallelujah. Haravuga ngo mwabije byinshi ariko musarura bike. Murarya ariko ntimuhaga. Yego. Muranywa ariko ntimushira inyota. Yego. Murambara ariko ntimushira imbeho. Kandi nukorera ibihembo abiruka abibika mu ruhago rutobotse. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Le sujet que j'enseigne ce soir, c'est le secret de se rassasier. Ni ibanga ryo guhaga. Le secret de se rassasier. Ibanga ryo guhaga. Et on peut se rassasier charnellement. Ushobora guhaga mu mubiri. Et tu peux être rassasié aussi spirituellement. Alors écoutez-moi très bien. C'est lui qui va écouter cette parole. Attentivement. Il sera béni. Nous avons lu dans Agai, chapitre 1, verset 6.
Je voulais vous rappeler une chose. Ndagira umbibutse ikintu. Et lorsque nous étions troublés avec le COVID, il y a des milliardaires qui sont partis. Ils sont morts. Il y a des autres, ils ont des conteneurs, des objets, des matériels, même des minéraux. Mais ils sont morts. Il faut voir dans quelles conditions ils sont partis. Si tu pouvais regarder tous ceux qui sont morts, avec tous ces millions qui sont déjà morts, si toi tu ne te prépares pas, tu vas mourir aussi mal. Nous lisons ici que les gens ont semé. Ils ont semé. Mais ils ont peu récolté. Et ils ont mangé. Quand ils n'étaient pas rassasiés. Ils ont bu. Ils ont pris les primices. Ils ont pris des Coca-Cola. Ils ont pris du vin. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Ils se sont habillés de beaucoup d'habits. Et très 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 meilleure qualité. Mais la parole dit, mais ils n'étaient pas chauffés. Donc tu peux t'habiller comme tu veux, tu ne seras pas satisfait. Même si on te donnait toute la terre du monde pour cultiver, tu ne serais pas satisfait. Même si tu prends toute l'eau, tu ne serais pas satisfait. Tu auras toujours la soif. Même si tu manges tous les aliments du monde, tu ne seras pas satisfait. Mais la parole que je t'amène, je vais te donner les secrets de satisfaction. Alléluia. 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 Amen. Les secrets de satisfaction. Spirituellement mumuka, et charnellement. No ici, Agai, c'est un prophète. Agai, il a déjà prophétisé. Mais il n'est plus là. Ariko, c'est moi Agai aujourd'hui. C'est moi le prophète. Je t'interpelle. Je te prophétise. Tout ce que tu manges, tout ce que tu t'habilles, tout ce que tu bois, tout ce que tu as cultivé, tu ne seras pas satisfait. Mais le secret de satisfaction, c'est dans cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la parole, il est satisfait. Parce que Jésus, un jour, Jésus a dit à ses disciples que c'est moi le pain qui vient des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que je suis le pain qui vient du ciel. Celui qui me mange, il n'aura plus faim. Et il dit que c'est lui l'eau. Parce que le Saint-Esprit est sous présentation ici de l'eau. Il dit, c'est lui qui me boit, il n'aura plus soif. Jésus, c'est le pain. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est de l'eau. Yesu namazi. Tout de suite nous allons lire. Uyu mwanya tujye gusoma. Pour vous éclaircir. Kugira ngo tubagaragarize. Afin que partout là où vous êtes, kugira ngo aho muri hose, vous puissiez être satisfait de la parole de Dieu. Mubashe guhaga ijambo ry'Imana. Alléluia. 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 Soyez satisfait de la parole de Dieu. Muhage ijambo ry'Imana. Ne restez plus distrait. Nimurangare. Oh, je suis cultivateur. Oh, ndi umuhinzi. Je ne dis pas il ne faut plus cultiver. Ntabwo mvuga mais tu ne seras pas satisfait. Je ne dis pas il ne faut plus manger. Je ne dis plus il ne faut plus
boire. Il ne faut plus s'habiller. Non. Oh, yeah. Moi je dis comme Agaï a prophétisé. C'est comme ça que moi je prophétise. Tout ce que tu fais, il ne sera pas satisfait. Mais c'est lui qui a la parole de Dieu. La parole de vie. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez ce pain et vous avez cette eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 55 verset 1 seulement. Tugiye gusoma muri Yesaya 55 murongo wa mbere wonyine. Ésaïe chapitre 55 verset 1. Yesaya 55 murongo wa mbere. Amen. Haravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze kumazi. Yego. Kandi n'udafite feza nawe naze. Nimuze mugure murye. Nimuze mugure vino n'amata mudatanze feza cyangwa ibindi biguzi. Amen. 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 Ici c'est le prophète Esaïe. Anga n'umanuzi Yesaya. Maintenant c'est le prophète Peter. Uyu munsi n'umanuzi Petero. Je m'annonce à tous les coins du monde. Ndababwira ku isi yose. À toutes les nations. Ibihugu byose. Que la parole t'invite aujourd'hui. Ku ijambo ry'Imana riguhamagara uyu munsi. Que venez puiser de l'eau. Ngo ngwino uvome amazi. Sans argent, zéro franc. Non, utatanga mafranga. C'est zéro franc. Non, mafranga. Frères et sœurs. Bashiki banje, papa et maman. Babyeyi banje. Je vous invite. Ndabahamagarira. De puiser de l'eau. Kuvoma amazi. C'est cette parole qui est de l'eau. Ni ijambo ry'Imana niyo mazi. C'est lui qui boit cette eau pure. Unywa aya mazi meza. Il n'aura plus soif. Ntabwo azagira inyota. Alléluia. 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 C'est pourquoi je vous disais. Niyo mpamvu nabwiraga. C'est lui qui va écouter cette parole. Uri bwumve ijambo. Et il marche encore dans des voies tortueuses. S'il ne sert pas seulement, il va recevoir de l'eau. Il va recevoir ses pains. Tu vas manger. Tu vas boire. Tu vas s'habiller. Tu vas cultiver. Et tu seras satisfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras satisfait. Spirituellement. Et charnellement. C'est pourquoi. Lorsque Esaïe prophétisait. Il y avait les gens qui négligeaient. Négligé. Même aujourd'hui, il y a les gens qui écoutent à la télévision, à la radio, les gens marchaient au marché, les gens sont partis en cours de route, ils écoutent la parole, mais ils négligent. Moi, je vous invite aujourd'hui, il ne faut plus rester distrait, tu ne connais pas ton temps de la fin. Vous savez, à cette époque-là, les gens disaient, quand est-ce que Jésus va revenir? Jésus va revenir quand? Mais si toi tu meurs maintenant, quand est-ce que Jésus va revenir? Ta fin, c'est ta fin. Si tu n'étais pas préparé, c'est fini. Donc, tout celui qui est parti, il ne peut plus s'attendre de Jésus va revenir quand? Est-ce que tu vas se repentir lorsque Jésus va revenir? Est-ce que Jésus va ressusciter les morts morts? La Bible dit ceci. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Ceux qui ont commis les péchés, ils vont mourir. Même les chrétiens, ils vont mourir. Mais lorsque Jésus sera de retour, il va trouver certains gens présents et vivants. Ceux qui sont morts dans les péchés, ils seront ressuscités pour la condamnation. Mais ceux qui sont morts dans la justice, ils
Ils seront ressuscités pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne restez plus distrait. Lero, mikomeza kuranga. Recevez Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Jésus-Christ comme mukiza. Vous aurez de l'eau. Vous aurez du pain. Vous allez manger. Vous allez vous rassasier. Alléluia. Amen. Le dernier verset, Jean chapitre 7. Umurongo wa nyuma, Yohana 37-39. Mwongo tatu na karibu kujira mwongo tatu biche. Yohana biche bili nugu. Mwongo. Wamilongo tatu na karibu kugeza mwongo tatu ni kenda. Yeku Yohana biche bili nugu. Tatule Yohana biche bili nugu. Mwongo mwongo tatu na karibu harafu kango. Nuko kumusi uheruka wiyo misi mikuru. Aiyo kumusi uruti yindi. Yesu arahagarara avuga cyane ati umuntu nagira inyota azahondi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko byanditswe bivuga ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwaba mwizera bendaga guhabwa ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Recevez bien la parole de Dieu. Nakire neza ijambo ry'Imana. Ici, ahangaha, Jean lui il parlait. Yohana we yaravugaga. Parce qu'il y a Jean-Baptiste. Il y avait aussi l'apôtre Jean. Hallelujah. 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 Maintenant, ici, au verset 37 à 39. D'abord, je vous informe. Jésus, il était évangéliste. Jésus, il était berger. Jésus, il était grand prophète. Jésus, il était roi. Yesu yari umwami. Jésus était diacre. Yesu yari umudiakoni. Jésus était choriste. Yesu yari umuririmbyi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis ici, rero hangaha, il n'y avait pas de lance-voix. Ntabwo hari hari mikoro. Il n'y avait pas la télévision. Na televiziyo yari hari. Maintenant Jésus se lève debout. Nono Yesu arahagaruka. Il dit à haute voix. Aravuga n'ijwi riranguruye. Vous qui passez là-bas. Mwebwe mutambuka. Vous qui avez soif. Mwebwe mfite inyota. Venez. Nimuze. Venez. Nimuze. Venez puiser de l'eau. Nimuze muvoma amazi. Celui qui aura de l'eau. Uzagira amazi. Celui qui va recevoir cette eau. Ubasha kwakira amazi. Les sources d'eau vont jaillir dans lui. Ama misoko migezi amazi y'ubugingo izate temba muri we. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui va puiser de l'eau. Uri voma yo mazi. Les sources d'eau vont jaillir à lui. Ama soko y'amazi azadutubiza muri we. Pour dire que ici l'eau représente le Saint-Esprit. Ahangaha amazi ahagarariye umwuka wera. L'eau représente le Saint-Esprit. Amazi ahagarariye umwuka wera. Celui qui a le Saint-Esprit en lui. Ufite umwuka wera muri we. Tout ce qui a été bloqué. Tout ce qui a été bloqué, Jésus débloque. Et Jésus, il délivre. Alléluia. Amen. Si tu manques l'argent, Dieu te donne l'argent à travers l'eau. Niwa ubuza amafaranga Imana igwa amafaranga binyuze muri amazi. Si tu manques le mari, Dieu te donne le mari à travers l'eau. Niwa ubuze umugabo Imana ibasha kuguha umugabo inyuze muri amazi. Si tu manques du travail, Dieu te donne à travers l'eau. Niwa ubuze akazi Imana iguhereza binyuze mu mazi. Donc c'est ça les différentes sources de que Jésus voulait dire. Nayo masoko rero atandukanye Yesu yashaka kuvuga. Ne faites pas allusion seulement à la rivière. Ni mwumve gusa ngo ni migezi itambu itembe isanzwe. Ce sont les différentes bénédictions. Ni migisha itandukanye. Pour dire que si vous recevez l'eau. Bishatse kwa ngo ni wakira amazi. Vous recevez la parole. Wakira ijambo ry'Imana. Vous recevez automatiquement les sources d'eau. Rero ngo uhita wakira masoko y'amazi. C'est pourquoi moi je prophétise à celui qui écoute qu'il reçoive les sources d'eau à travers cette parole. Mais les premières voix, la première voix sort. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Donc, vous acceptez de recevoir Seigneur Jésus-Christ. Vous vous repentez. Dieu vous pardonne. Et le Saint-Esprit habite en vous. Sous forme de l'eau. Sous forme du pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui écoute la parole. Et il a soif de se repentir. Vous savez, les gens ont honte.
rero murabiza abantu bagira isoni. Vous avez la honte de déclarer tout haut que je reçois Seigneur Jésus comme sauveur. Il ne faut pas avoir honte de la résurrection. Il ne faut pas avoir honte du salut. Que Dieu te délivre aujourd'hui. Que Dieu te délivre aujourd'hui. Recevez cette eau. Recevez le pain d'hygiène. Le pain des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons vous inviter à vous répentir. Si vous avez honte, vous allez appeler les numéros de la télévision. Bientôt la maman va donner les numéros, mama je kuzitanga, mais il ne faut pas avoir la honte. Ariko nago mukwiye kugira isoni. Répentez-vous. Ni mwihane. Nous on évangélise pas pour vous amener dans notre église. Nago tubabwiriza ngo tubazane mu itorero ryacu. Partout où vous êtes. Aho muri hose. Que vous soyez en Amérique, niba mwari muri Amerika, en Europe, mu Buraya, en Asie, muri Asia, en Océanie, muri Oceania, en Afrique, muri Afrika, même si vous êtes au Rwanda, niba mwari no mu Rwanda, partout où vous êtes. Aho muri hose. Vous recevez seulement cette eau. Ni mwakire gusa ayo mazi. Vous recevez du pain. Mwakire umutsima. Nous allons vous orienter comment se repentir. Turabayobora uburyo et comment vous allez croître spirituellement, vous serez satisfait. C'est ça le sujet que j'enseigne. Vous serez satisfait spirituellement et charnellement. Que Dieu vous bénisse. Recevez bien la parole. Répentez-vous. Appelez les numéros de téléphone. Numéro numéro 07. 88 51 32 46 uri hirya y'iki gihugu utangiza guteranya 250 788 51 3246. Amen. Amen. Nous allons prier. Tujye gusenga. Vous qui n'écoutez pas le Kinyarwanda, mwebwe mutumva ikinyarwanda, vous pouvez faire plus de 150. Mushobora kongeraho karindwi cumi na makumyabiri na gatanu zero plus 250 guteranya 250 78 karindwi umunani 15 12 cumi na gatanu cumi na kabiri 399 gatatu icyenda icyenda plus 250 kumenya uko guteranya 250 78 karindwi umunani 15 12 cumi na gatanu cumi na kabiri 399 gatatu icyenda icyenda. Éternel Dieu de toute puissance. Ah, oui, kamane, imbaraga. Merci pour ta parole. Urakoze kubw'ijambo ryawe. Tu es le pain de vie. Uri umutsima w'ubugingo. Et c'est toi de l'eau pure. Kandi niwe mazi meza. C'est lui qui te reçoit. Ukwakiriye. Il aura des sources dans lui. Azagira amasoko muri we. Nous prions pour ces nations. Dusengeye ibi bihugu. Qu'elles puissent se repentir. Kugira ngo byihane. Que te reçoive comme sauveur et Seigneur. Et que tu pardonnes leurs péchés. Parce que tu es le Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Tu as tant aimé le monde. C'est pourquoi tu as envoyé ton Fils. Et c'est pourquoi nous aussi, nous prions pour ces nations, pour que tu puisses les sauver. Et c'est lui qui croit à ton nom, qu'il soit béni, qu'il soit sauvé, qu'il soit baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci au Seigneur Jésus-Christ, parce que tu écoutes et tu agis. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Yesu abaho umugisha mwese abari badukurikiye, hanyuma mwebwe abasogongeye, mukamenya ko Yesu agira neza, muze tumwegere, niwe buye rizima. Byanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ni ibuye ry'igiciro ryahindutse rikomeza imfuruka, nawe yakongera akakubaka, ukaba wubakitse mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Nahutaha.